très athlétique ailier américain de cette équipe d'Orléans. Chris Warren. Warren avec Youssou N'Dói. Voilà la première. La première du duo infernal d'Orléans. Jackson face à Chris Warren avec Johnny Baron-Mesquel. Ils ont changé en défense, là, Orléans. Là. Jovante Redick qui va être contré. Ouais, pour finir sur le palmarès de Chris Warren. Je crois qu'il a gagné également une Coupe de France et la FIBA Europe Cup avec Nanterre. Jean-Philippe Daly à 3 points, la réponse. Il y a beaucoup d'adresses, un côté Rouennais 64%. Ça. Voilà, ça c'est parfaitement joué. Dali servi par Bruno Singalamata, la jeune garde JFL là. Alors on a attrapé sur l'écran là. Avec... Ah oui, on change de défense nous, au niveau de la chorale sur les écrans là. Enzeli, le shoot en fadeaway dedans pour l'arrière franco-camerounais, Jérémy Enzeli. Ouais, Orléans sans son axe là, à 5. Tu vois, donc Lorraine est posté là, tu vois, par Amalia. C'est bien fait hein, de la part d'Orléans. Hein. Singalamata, voilà. Les bons moves aussi, il aura même le lancer derrière. Le lancer, le N1 pour Bruno Singalamata. Ouais, on renvoie les Américains sur le parquet. Ronald Marr, Jackie Nengant. Chris Warren de retour. La vitesse de Chris Warren et le dunk pour Youssou N'Dói. Avec la Mantel qui va prendre de vitesse. Ronald Marsh, pas de faute pour Boubacar Touré, mais la balle reste orléanaise avec Chris Warren devant Lauren Jackson. Ah, bien répondu. Oh, il est clutch pour les dernières secondes, les dernières minutes de ce deuxième quart-temps. Bien défendu ça. Voilà. Et c'est Youssou N'Dói qui suivait et qui vient claquer un dunk. Lauren Jackson totalement ouvert, trop court. Et le ballon qui va encore être récupéré par un Rouen et Jackie Nengant. Ah, Boubacar Touré qui en a peut-être trop froid. Et sur la contre-attaque, Chris Warren qui va servir la Monte Holmer. Ronald Marsh sur la piste de décollage. Warren avec Youssou N'Dói. Hein. Toujours l'axe 1-5. C'est pas du tir à 3 points. Enzeli avec Davenport. Davenport qui va aller au cercle. Et le panier en, et le lancer en prime. Quitte à faire faute, autant faire une vraie. Oh bah surtout que là, il doit être plus dur. Là. Il doit être fléchi. Là. Il est passé fléchi, le petit. Là. Tu sens que ça y est, il est focus sur son match. Là. Aspagnol aurait fait très très mal aux Orléans. Davenport qui va aller au cercle. Léran Mesquel qui va préférer travailler. Et il passe ligne de fond. Et il va être contré par Kayvon Davenport. De toute façon, la décision a été prise. Alors, on va vous le dire. Ouais, le ballon avait touché très clairement. Sa défense, c'est bien ça. Qui va trouver Marcus Page à l'opposé. Youssou N'Dói à l'intérieur. Ça vient manœuvrer là. Ouais, collectivement. C'est, ça. Ouais, c'est très bien joué leur attaque. Là. Et 11 passes décisives. Ballon récupéré par les Orléanais. Youssou N'Dói qui va pouvoir dépasser la barre des 20 points.